Bonjour à tous, aujourd'hui Kara Ziyech vous invite à Millau et son célèbre viaduc pour la présentation d'un nouveau break. Alors un break c'est quoi? C'est un véhicule destiné aux familles, très pratique, avec beaucoup de coffres. Et vous allez voir que celui qu'on vous présente aujourd'hui est un petit peu particulier, puisque tout simplement, il s'agit de l'un des plus rapides du marché. Cette nouvelle Audi RS6 prend donc pour base, logiquement, la dernière génération d'Audi A6 Avant. Elle bénéficie toutefois de quelques spécificités, comme par exemple des ailes élargies, une face avant beaucoup plus agressive avec un nouveau bouclier et des pièces en carbone. Vous avez également un béquet, deux sorties d'échappement énormes ovales et surtout, sur notre modèle d'essai, des jantes en 21 pouces. À l'intérieur de cette Audi RS6, on retrouve bien sûr la planche de bord de l'Audi A6 avec quelques particularités comme du carbone sur la planche de bord, mais également sur la console. On voit également l'apparition d'un petit volant en sport à méplat, deux sièges baquets très jolis siglés RS6 à l'avant mais également à l'arrière. Donc quasiment rien à redire au niveau de la qualité d'assemblage. C'est vraiment très très bien, d'autant plus que l'équipement est également pléthorique. Vous avez par exemple un système sono Bang & Olufsen, l'affichage tête haute, etc. etc. Au niveau des aspects pratiques, on retrouve les caractéristiques de l'Audi A6 Avant avec un vaste coffre, mais également une bonne habitabilité arrière. Petit bémol, désormais cette Audi RS6 peut accueillir deux passagers contre trois sur la 6 Avant. Le principal changement de cette Audi RS6 se trouve sous son capot, il s'agit du moteur. Adieu le V10, place désormais un V8 4 litres biturbo de 560 chevaux qui dispose de la technologie cylindre à la demande. Bien sûr ce moteur perd 20 chevaux par rapport à la précédente génération, mais il est nettement plus coupleux puisqu'il dispose de valeurs de 700 Nm de couple répartis entre 1750 et 5500 tours-minute. Autant dire qu'il a du coffre et répond présent à la moindre sollicitation. Les performances sont de tout premier plan avec une vitesse non bridée de près de 280 km/h et un 0 à 100 abattu en 3,9 secondes. On est donc dans la juste lignée des Mercedes classe E63 AMG ou BMW M5. D'ailleurs, le petit grief qu'on peut faire à l'encontre de cette Audi RS6, c'est la sonorité du moteur de ce V8, un petit peu trop polissé pour nous, qui n'est pas assez sportif. Il est sympathique, mais ça n'a rien à voir par rapport au bruit rugissant de la S63 AMG que l'on préfère. Au niveau du comportement, cette RS6 est toujours dotée d'une transmission intégrale avec un système d'autoblocant central. Autant dire aucun problème de motricité ou de tenue de route sur cette RS6. Elle a maigri de 5 kg, c'est une bonne chose, mais elle ne meurt pas vraiment encore une danseuse. Savoir qu'elle est très à l'aise sur les grandes routes, sur les autoroutes par exemple, mais également sur les grandes courbes. Par contre, elle manque un petit peu d'agilité sur les petits virages où bien sûr son poids et son gabarit la pénalisent. Mais globalement, on retrouve un véhicule pour se faire plaisir, peut-être pour les pères de famille très pressés, mais aussi malheureusement peut-être pour les spécialistes du transport de matière un petit peu illicite sur autoroute. Les Audi RS6 ont toujours été des véhicules impressionnants. Cette dernière génération ne déroge pas à la règle, puisqu'on a affaire à un véhicule au format familial de break, mais avec sous le capot une motorisation de voiture de course. En effet, cette Audi RS6 est vraiment le mariage parfait entre un véhicule pratique et un véhicule pur plaisir. Alors bien sûr, les acheteurs en France sont relativement peu nombreux, mais il y en existe des petits chanceux qui pourront s'acheter cette Audi RS6 qui est peut-être très impressionnante, moins performante et moins en tout cas agile qu'une Audi R8, ça c'est une certitude. Mais en tous les cas, elle impressionne, ses prix aussi, puisqu'il tourne aux environs de 120 000 euros.